وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم سد سورة سين سورة مكية donc pré-égyrienne الشرح qui est on peut dire dans le sens d'ouverture ou l'élargissement Allah Ta'ala dit « Alam nashrah laka sadarak » dans le sens des versets en français « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ?»« Wa wada'na anka wizrak » et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau ?« Alladhi anqada wahrak » ce fardeau qui accablait ton dos. « Wa rafa'na laka dhikrak » et on a exalté et élevé pour toi ta renommée et ton nom. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Certes, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Quand tu te libères, donc lève-toi. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ Et à ton Seigneur, aspire. Naam. Donc quand Allah tabaraka wa ta'ala dit أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ici, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bienfait qui lui a élargi la poitrine et ouvert la poitrine à accepter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, à accepter la révélation, à se plier aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a élargi la poitrine pour la da'wa ila Allah, pour appeler à Allah, la prédication à Allah subhanahu wa ta'ala, et du fait d'être quelqu'un qui a toutes les meilleures caractéristiques et les plus hautes morales, et le fait de se dévouer et de se diriger vers l'au-delà, et d'aimer, de lui faciliter les biens, le bien, et aimer le bien, et qu'il ne soit pas quelqu'un qui n'aime pas le faire le bien, que le bien soit pour lui facilité, qu'il lui trouve de l'aisance à le faire. Naam, sharh al-sadr. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala élargisse ta poitrine à accepter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'y plier, c'est un bienfait. Combien d'entre nous, quand on fait la salat, parfois on le fait muncharihan al-sadr, la poitrine large, ouverte, c'est-à-dire on a un plaisir à la faire. On a envie de la faire. On la fait par envie. Et parfois, on l'a fait, si ce n'était pas la peur du châtiment d'Allah, on ne l'aurait pas faite. On l'a fait parce qu'on sait que c'est une obligation, pourtant, notre nefs, il ne veut pas la faire. N'est-ce pas? Alors, le fait qu'Allah Ta'ala il élargisse ta poitrine à l'adoration, à l'amour de l'au-delà, à l'amour du bien, à être objectif, à chercher la vérité, à accepter la vérité, c'est une ni'ma. C'est un bienfait énorme. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala, ici, il rappelle cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka sadarak? Ne t'avons-nous pas élargi la poitrine, ouvert la poitrine? Et ici, alam, ici le su'al, il est venu aussi du tahqiq. Alam nashrah laka, est-ce qu'on t'a pas élargi dans le sens qad sharahna laka? Les ulama ils disent ici, alam nashrah, en vérité, tu prends le verbe au mardi, au passé, avec qad. C'est-à-dire que cette chose, elle s'est réellement faite et elle est vraiment arrivée. Dans le sens, quand Allah Ta'ala dit, est-ce que nous n'avons pas ouvert ta poitrine? Le sens réel de ça, c'est, certes, auparavant, nous t'avons déjà élargi la poitrine. On t'a élargi la poitrine à accepter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et à accepter les bons comportements et à aimer le bien. Ça aussi, c'est un bienfait énorme. Le fait que la personne, elle aime le bien. Que sa poitrine, elle soit élargie, elle accepte les lois d'Allah. Al-qada al-shar'i. Wa kadhalika al-qada al-kawni. Que la personne, elle accepte aussi la destinée d'Allah, qui peut être parfois douloureuse. Et pourquoi c'est important d'avoir la poitrine élargie et ouverte pour accepter cela? N'y a-t-il pas une difficulté dans certains ordres? Il y a une mashaqqa dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la pratique de la législation islamique. Il y a un certain poids, il y a une certaine difficulté ou un certain effort à fournir, n'est-ce pas? Si la personne n'a pas la poitrine ouverte à cela, le moindre effort, il le voit plus lourd qu'une montagne. Et ça, c'était le cas des munafiqin, des hypocrites,
qui n'aimaient pas. Là, la prière, c'était la chose la plus lourde pour eux. Abu Mahdoura, avant qu'Allah lui ouvre la poitrine, bah justement, à l'islam, il a dit l'adhan, c'était la chose que je détestais le plus. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne que je haïssais le plus. Mais quand Allah ta'ala lui a ouvert la poitrine, alors il a dit, après cela, l'adhan, c'était la chose que j'aimais le plus. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la personne que j'aimais le plus. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, celui qu'Allah veut guider, yashrah sadrahu lil-islam. Il lui ouvre la poitrine à accepter l'islam. Mais celui qu'il veut égarer, il fait de que sa poitrine est serrée et étroite comme s'il montait dans le ciel. Quand une personne elle monte, qu'est-ce qu'il a? Il a du mal à respirer. Sa poitrine elle est serrée, n'est-ce pas? Ouvrir la poitrine à l'acceptation de la vérité, à l'acceptation des lois d'Allah, au jugement d'Allah religieux, c'est un grand bienfait. Et aussi, alam nashrah laka sadrak, pour accepter aussi la destinée, les difficultés dans la destinée, dans la vie. La majorité des situations qui arrivent. Est-ce que tout ce qui arrive dans la vie, c'est des choses qui plaisent à l'être humain, qui lui réjouissent? Non. Il y a des situations qui le réjouissent, il y a d'autres situations qui le peinent, et qui l'attristent, et qui lui sont douloureuses. Donc si Allah Ta'ala ne t'ouvre pas la poitrine à accepter la destinée, à patienter, et à savoir que tu as une récompense encore plus grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette chose-là, elle te fait du mal. Et ça, c'est le cas du croyant. Allah il lui a ouvert la poitrine à accepter et à patienter. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Suhayb ibn Sinan, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le cas du croyant, il est étonnant. Car tout son cas, il ne comporte pour lui que du bien. Si un mal, il le touche, il patiente, et c'est du bien pour lui. Et quand un bien, il le touche, une chose réjouissante, elle le touche, il est reconnaissant, et c'est du bien pour lui. Barakallahu fik. Naam. Ça, c'est celui à qui Allah il a ouvert la poitrine à accepter le qada al-shar'i ou le qada al-kawni, à accepter les lois d'Allah dans sa religion et à accepter les lois d'Allah dans la destinée. C'est ça que le Allah tabaraka ta'ala ici rappelle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alam nashrah laka sadrak. Puis après, lui cite un deuxième bienfait. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Quel est ce fardeau dont Allah tabaraka wa ta'ala a déchargé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ses péchés. Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Aïcha radiallahu anha, quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier la nuit jusqu'à ce que ses pieds se gonflent et se fendent, craquaient, elle dit au messager d'Allah, لِمَا تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Donc, elle savait qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Comme ici Allah lui dit dans le Coran, الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Ça, cela prouve aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain. Comme tous les prophètes, ce sont des êtres humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, tous les fils d'Adam, tous font des erreurs ou peuvent faire des péchés, mais les meilleurs des pécheurs sont les repentants, ceux qui se repentent. Donc, ça peut arriver aussi aux prophètes et aux messagers de faire des erreurs, mais ils sont préservés de certains péchés qui peuvent toucher à la véracité de leur message. Ils sont préservés de l'erreur dans la transmission. Ils sont préservés du mensonge. Ils sont préservés de la tromperie. Ils sont préservés des grands péchés qui viennent toucher à la moralité, comme la fornication. Toutes ces choses-là. Les prophètes et les messagers sont préservés de ces péchés-là. Tout ce qui peut amener un manquement dans sa qualité de messager et dans le message qu'il pourrait transmettre ou mettre un doute sur cela, Allah les a préservés de cela pour préserver le message. Ils sont préservés de l'oubli aussi ou de la folie. Ils n'ont pas ces choses-là parce que, alhamdoulilah, ils retiennent ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné pour le transmettre. Allah les a choisis pour cela. Mais il peut arriver qu'ils tombent dans des erreurs, alayhim salat wa salam, car ce sont des fils d'Adam. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa wada'na 'anka wizrak. Mais les erreurs des messagers, alayhim salat wa salam,
Pour nous, c'est comme si c'était rien du tout. Mais pour eux, vu leur haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, une petite erreur, c'est quelque chose de grand. Plus ta place est grande et élevée, plus l'erreur est un poids plus lourd. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne ne dise qu'il est mieux que Yunus ibn Matta. Le prophète Yunus, alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah nous raconte son histoire. Que quand il a désespéré de son peuple, il a fait dua contre eux et il est parti. Et la baleine, elle l'a mangé. Donc ça, c'était une erreur de sa part, alayhi salam. Mais il s'est repenti et Allah a accepté son repentir. Comme dans le Coran, quand il dit « La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. » Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf toi. Gloire et pureté à toi, j'ai été parmi les injustes. Donc il a reconnu qu'il a fait un péché, il a fait une erreur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que personne ne dise qu'il est mieux que Younous. Attention. Allah il nous a ordonné de respecter les prophètes, de leur donner une haute place. Tout en reconnaissant que ce sont des êtres humains. Wadih ? Non. Donc Allah Ta'ala il dit ici Alladhi anqadha dhahrak. Celui qui a accablé ton dos. Nah. Regardez, Allah Ta'ala rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le meilleur des hommes que le peu d'erreurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu commettre et qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, ce peu d'erreurs là, si Allah ne lui avait pas débarrassé, ce serait un fardeau sur son dos. C'était lourd à porter déjà. Alors nous, est-ce qu'on sent que nos péchés sont un fardeau lourd à porter sur notre dos, les frères? Si le meilleur des hommes, avec le peu d'erreurs qu'il ait pu faire, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, il lui dit que c'était un fardeau qui aurait pu accabler son dos. Ça aurait été déjà lourd pour lui à porter. Alors qu'allons-nous dire de tous ceux qui sont moindres que le prophète alayhi salatu wassalam, de tous les êtres humains? Est-ce que vraiment on ressent que les péchés sont un fardeau qu'on va porter yom al-qiyama? C'est un fardeau dans ce monde. Tous les péchés qu'on fait sont des fardeaux qui nous alourdissent dans ce monde, qui nous rendent la tâche difficile, qui sont la cause de nos malheurs, de nos soucis, qui sont la cause de ne pas trouver le délice et le plaisir dans les ordres d'Allah, qui sont la cause de nous empêcher de trouver la douceur de la foi. Ce sont les péchés. Allah Ta'ala, il a appelé les péchés « wizr », un fardeau. « Wa la taziru waziratun wizra ukhra » Personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre. Il a donc comparé le péché à des poids que tu portes. Imagine-toi, tu marches dans la rue, chaque péché, c'est un poids de 10 kilos sur tes épaules. Comment tu vas marcher? Comment tu vas être à la fin de la journée? Comment tu vas être fatigué? Pour faire le moindre effort, la moindre chose, tu vas trouver combien de difficultés? Donc, Allah Ta'ala ici nous montre que les péchés sont un poids dont il faut se débarrasser. Les péchés de l'être humain qui sont en dessous du shirk, ils sont tahta mashi'atillah. Ils sont sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il les pardonne. Si Allah veut, il le châtie pour cela. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a eu cette grâce qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Ça y est, c'est une certitude, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, il n'y a aucune certitude. On ne sait pas. On ne sait pas déjà si on meurt sur l'islam. On ne sait pas même si on meurt sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit que la personne fait les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'un empan. Ça ne veut pas dire qu'il est à un empan du paradis dans la distance, c'est-à-dire qu'il est à un empan de la mort, il n'est pas loin de mourir. Le livre le devance, sa destinée le devance, il fait une œuvre parmi les œuvres des gens de l'enfer, il entre en enfer. Dans un hadith, il décrit cela, il détaille. Il fait les actes des gens du paradis en apparence. C'est-à-dire qu'en réalité, en apparence, c'est les actes des gens du paradis, mais en réalité, ce ne sont pas les actes des gens du paradis. Car c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne intention. Il a une maladie dans son cœur. Cette maladie, elle l'a rattrapé avant sa mort. Elle a été la cause de l'emmener en enfer. Quelle est cette maladie? Il n'est pas sincère pour Allah. Cette maladie qui est le fait de vouer nos actes
pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être sincère, de ne pas chercher sincèrement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos œuvres, c'est la maladie la plus dangereuse qui peut emmener la personne à ce que sa destinée elle le devance, que en fait cette personne-là, tout ce qu'il faisait c'était que par hypocrisie. Et en vérité, quand sa destinée elle devance, il voit comment il meurt parmi les actes des gens de l'enfer et il y entre. C'est pour ça, barakallahu fikum. Est-ce qu'on ressent cela? Est-ce qu'on ressent que les péchés sont des fardeaux qu'on porte? Et que ce sera yawm al-qiyam à des fardeaux à porter devant tout le monde? Est-ce qu'on ressent qu'on est en danger, qu'à cause de ces péchés-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne elle fait des péchés jusqu'à que son cœur devienne noir et qu'il ne reconnaît plus le bien ni le blâmable. Il est comme un verre ou bien une tasse retournée. Il ne reconnaît ni le bien ni le blâmable. Pourquoi une tasse retournée? Vous comprenez pourquoi une tasse retournée? Une tasse ou même un bidon, même un tonneau ou un conteneur, s'il est retourné, tu peux lui verser des tonnes d'eau. Est-ce qu'il y a une goutte qui va rentrer dedans? Non. Quand il est retourné, même s'il entend le bien, même si autour de lui il est le bien il n'en profite pas, il ne rentre pas. Il reste à côté, il coule. Donc un cœur où les points noirs se sont figés sur lui jusqu'à qu'il est devenu complètement ran. Leurs cœurs sont devenus fermés, cadenassés à cause de leurs actes. Et c'est ça qui faisait le plus peur aux salafs, de mourir sur autre que l'islam. Ils avaient peur de la ruse d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, est-ce qu'ils se sentent en sécurité de la ruse d'Allah? Ne se sent en sécurité de la ruse d'Allah qu'un peuple perdant. Le croyant, il a peur. Il a peur de ne pas être sincère. Il a peur que ses actes ne soient pas acceptés. Il a peur qu'il est malade dans son cœur. Il a peur de mourir sur autre chose que la foi. Cette peur-là, elle va l'aider à toujours en faire plus. Cette peur-là, elle va l'aider à se dire « Je suis manquant vis-à-vis d'Allah. J'ai besoin d'en faire plus. Quoi que je fasse, j'en aurais jamais fait assez pour être reconnaissant envers mon Seigneur. » Donc Allah Ta'ala dit « Wa rafa'na laka dhikrak » et nous avons exalté pour toi ta renommée. Allah, il a exalté, il a élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a élevé son nom chaque jour dans les cinq prières. Allah, le mu'addin, il élève le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir élevé le nom d'Allah. Quand il fait « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah » dans l'appel à la prière. Allah Ta'ala, il a élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exalté son nom et sa renommée quand... Dans chaque salat, on fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on demande à Allah de le louer et de le bénir. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dans chaque prière. Allah, il a exalté sa renommée, subhanahu wa ta'ala, dans chaque acte que le musulman fait. Car aucun acte que le musulman fait ne peut être accepté que s'il est fait conformément au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car chaque acte a deux conditions pour être accepté. Deux conditions nécessaires. La sincérité dans cet acte, qu'il soit voué pour Allah seul et unique, et qu'il soit conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Donc Allah, il a exalté son nom, car il a fait que son suivi est la norme, est une parmi les normes d'acceptation des actes. Ceci est une réponse aux innovateurs qui veulent fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui disent on fait ça pour exalter le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour se rappeler, pour élever son nom. Nous leur répondons, Allah a donné des moyens légiférés d'exalter son nom et de se rappeler de lui. Chaque jour, il ne t'a pas demandé, toute l'année tu lui désobéis et tu viens ce jour-là, tu lui désobéis encore plus parce que tu fais une innovation. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui désobéissant. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam en le mettant à la même place qu'Allah, en lui donnant un associé, en l'invoquant en dehors d'Allah comme la plupart ils font quand ils font ces fêtes. Ou en disant des poèmes dans lesquels il y a du shirk alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre le shirk.
C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit que toute nouvelle chose dans la religion est une innovation et toute innovation est en enfer. Et toi, tu viens ce jour-là, tu fais une innovation. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit que celui qui ressemble à un peuple, il fait partie d'eux en ressemblant aux juifs ou aux chrétiens qui fêtent l'anniversaire de leur prophète. Alors toi aussi, tu le fais. C'est comme ça que tu respectes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ceux qui le respectaient encore plus que toi, qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur personne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils ont fêté cette fête. Allah, il a exalté sa renommée sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour de ta vie, chaque acte que tu fais, tu suis ses pas sallallahu alayhi wa sallam. Tu te rappelles de lui. Tu te rappelles ce qu'il a sacrifié pour sa communauté, pour qu'aujourd'hui, toi et moi, on soit musulmans. Pour que demain, on soit, Inch'Allah, parmi les gens du paradis. C'est en aimant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que ta mère, plus que ton père, plus que tes enfants, plus que ta vie, plus que ta personne, plus que tes biens, et en lui obéissant, c'est comme ça que tu élèves et que tu exaltes la renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas en faisant des innovations et en fêtant son anniversaire. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, à côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, comme il a dit Ibn Abbas, il a été rapporté d'Ibn Abbas, que une difficulté ne peut pas vaincre deux facilités. Une difficulté ne peut pas vaincre deux facilités. Taïb, comment on comprend ça de ce verset ? Innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. C'est-à-dire, comment on l'explique grammaticalement ? Ou dans le balara. Les ulama al-balara disent que un mot, quand il est répété et qu'il est défini, il est mu'arraf bi alif illam, cela veut dire que la deuxième fois, quand il est répété, il parle de la même que la première fois. Wadih ? Innama al-usri, al-usri. Il est mu'arraf, il est défini ici, al-usr. Al-usr, ça veut dire la difficulté. En français, c'est comme si tu disais la ou le. L'article défini. N'est-ce pas ? Donc, quand l'article défini vient deux fois pour citer un mot, la deuxième fois, il ne fait que répéter le premier cas. C'est qu'une répétition. Mais quand un mot est cité deux fois et il est indéfini, indéterminé, alors cela veut dire que la deuxième fois, il cite une autre fois ce mot que la première qui est citée. C'est clair ? Ghaliban. En général, c'est comme ça. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, dans la langue arabe, c'est comme ça. Donc ici, Allah Ta'ala dit « Inna ma'al usri » certes, après ou avec la difficulté, « yusra » une facilité. Une facilité, la première, ça fait une. « Inna ma'al usri yusra » après la difficulté, il parle de la même difficulté que la première, une facilité, ça fait une deuxième. Ça fait 1 plus 1 combien ? 2. Wadih ? C'est plus clair pour vous comme ça ? Donc après une difficulté, deux facilités. Et ça, que ce soit dans le qada al-shar'i ou dans le qada al-kawni. Que ce soit dans les lois législatives ou dans les lois universelles, c'est-à-dire ce qui nous touche de la destinée. Par exemple, dans les lois législatives, dans le sens dans les lois qui régulent nos adorations ou notre vie en islam. Tu verras que quand il y a une difficulté, comme il est venu dans le qa'id al-fiqhiyya, إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ التَّسَعْ. Quand la chose devient difficile, alhamdoulilah, sharia est venue toujours ouvrir des portes. Élargir. La personne qui ne peut pas prier debout. Hakim ibn Hizam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi ? Il était touché par des hémorroïdes. Il a dit, prie debout. Si tu n'arrives pas, prie assis. Si tu n'arrives pas, sur le côté. Donc cette difficulté-là, la charia, elle est venue lui donner des facilités. Le jeûneur qui est en voyage, il lui est permis de rompre et de rattraper. Le jeûneur malade, pareil. Celui qui a une maladie incurable, il nourrit pour les jours où il n'a pas jeûné. La femme qui est enceinte ou bien qui allaite, elle nourrit pour les jours où elle n'a pas jeûné, ou certains disent elle rattrape et elle nourrit, al-muhim, al-khilaf, al-ma'rouf. Al-muhim, à chaque fois que dans là il y a une difficulté, Sharia est venue te donner une facilité. Ou deux facilités, ou des facilités même.
Donc ça, c'est dans les lois religieuses. Maintenant, dans les lois universelles, c'est dans ce qui se passe dans la vie, dans la destinée. Quand il vient te toucher, quand une difficulté vient te toucher, sache que deux facilités vont venir derrière. Ces facilités-là, elles peuvent être matérielles et palpables et visibles, comme elles peuvent être morales. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un est touché par la pauvreté. Puis Allah lui facilite des biens matériels. Ça, c'est une facilité palpable et physique. Mais les facilités dont Allah Ta'ala parle ici, ce n'est pas obligatoirement que des choses physiques et matérielles. Cela peut être des facilités morales, impalpables. Comme Allah, il t'ouvre des portes dans la science. Tu as des difficultés, mais Allah, il t'ouvre des portes dans la compréhension dans la science religieuse. Il t'ouvre des portes dans la patience, dans la douceur de la foi, dans la salate. C'est-à-dire que tu es pauvre, tu as des difficultés, mais tu trouves un plaisir et un repos dans la salate. Tu trouves un plaisir et un repos dans la lecture du Coran. Wallahi, ça c'est les meilleurs. C'est mieux que ce qui est matériel. Car ça, c'est la personne, elle vit déjà un paradis sur terre. La personne qui goûte à la douceur de la foi, elle vit un paradis sur terre. Certains parmi les ulama, ils expliquent le verset où Allah Ta'ala dit: celui qui a peur de comparaître devant son Seigneur, il aura deux paradis. Un paradis sur terre, dans l'état dans lequel il est, le plaisir, le délice qu'il trouve dans les adorations d'Allah, dans sa solitude avec Allah, dans la salat, et le paradis réel et éternel, les délices de l'au-delà. Donc, فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Quand tu te libères, donc lève-toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quand tu es libéré d'un ordre parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fini d'accomplir une adoration, tu as fini d'accomplir un ordre parmi les ordres d'Allah, va pas dormir. Va pas te coucher, ce n'est pas fini. Fansab, lève-toi pour un deuxième ordre. Tu passes d'un acte à un acte. D'une action à une bonne action. D'une bonne action à une bonne action. Sauf si tu as un secret pour arrêter le temps. Mais le temps, il ne s'arrête pas. Et ça, subhanallah, les gens pieux, ils l'ont compris. Les prophètes, alayhim salatu wassalam, ils l'ont compris. Les sahaba, ils l'ont compris. Les ulama, ils l'ont compris. Que le temps, c'est le capital le plus cher que tu possèdes. Certains parmi les ulama, quand ils recevaient quelqu'un et lui parlent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils taillaient toutes ces mines. Ils taillaient plein de mines, comme ça, ils disent, c'est le temps de gagner. Quand pour là, il me parle, je peux tailler les mines en même temps. Ma main, elle peut travailler. Comme ça, quand il parle, je peux écrire tout de suite. Certains, comme Ibn Aqil, il a écrit un livre de, je crois, des centaines de tomes. À l'époque, c'était avec de l'encre, avec des plumes. La feuille, ça coûtait cher. Il ne mangeait que du pain mis en miettes avec de l'eau, rapidement, comme ça, il l'avalait. Il ne mangeait pas autre chose. Il dit, pourquoi tu ne manges pas autre chose? Il dit, ça me prend trop de temps à mâcher. Mâcher, ça me prend trop de temps. Et quand je mâche, j'arrive pas à évoquer Allah. Donc le temps que je perds à manger, il est trop, c'est trop. Donc je mange du pain en miettes. Ils me le mettent en miettes, les cerveaux, ma femme, ils se débrouillent. Moi, je viens, je le mange, je pars. Certains, quand ils allaient faire leurs besoins aux toilettes, ils disaient à leurs disciples de se mettre à la porte, de lui réciter des moutounes, des textes. Il dit, au moins j'écoute. Je peux pas faire l'évocation moi dans les toilettes, mais j'écoute. Au moins je peux écouter, ça me fait réviser. Même dans les toilettes. Regardez la valeur du temps. On se demande parfois comment ils ont pu avoir cette science. C'est des mères dans la science. Comment, en peu de temps, ils ont fait tout cela? Ils ont écrit des livres en voyage, ils ont écrit des livres en prison, ils ont expliqué des hadiths. Voilà, tu lis des livres, tu te demandes, ces gens, ils ont existé, ils n'ont pas existé, ça vient d'où? C'est la réalité, c'est étonnant. C'est étonnant, la sagesse. C'est même pas des prophètes, ces gens-là. C'est des hommes. C'est des gens, c'est même pas des sahaba. C'est des hommes. C'est des hommes. Subhanallah. Ils ont connu la valeur du temps. Ils ont été sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle d'eux. On lit leurs livres, on énonce leurs noms. Combien de hasanat ils se font, ces gens-là. Ils meurent, il y a des gens qui travaillent pour eux partout dans le monde. Qu'est-ce que nous, on va laisser quand on va mourir? Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? C'est pour ça, Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit,
فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Tu as fini, lève-toi. Ne t'assieds pas. D'un acte à un acte. D'un acte à un acte. Service des parents, travail, adoration, lecture du Coran, prière, apprentissage de la science, d'un acte à un autre. Taïb, si on dit oui, mais comment je peux pas être tout le temps comme ça? Je me repose pas, je prends pas l'air, je mange pas. Non, si te reposer, faire une distraction permise en islam, c'est pour te renforcer, pour passer à un autre acte, ça rentre aussi dans cet acte. C'est comme si tu faisais un acte. Mais le repos et la distraction, ce n'est qu'une étape pour te renforcer pour l'adoration, pour te renforcer pour les actes. Ce n'est pas un but en soi. Aujourd'hui, la distraction et le repos, c'est l'objectif. Les adorations et les obligations, elles viennent à la place des distractions. C'est le contraire. Alors que normalement, quand tu finis un acte, lève-toi pour un nouvel acte. Et aspire à ton Seigneur. C'est quoi? C'est-à-dire, attends la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes que tu fais, aspire en cela à la récompense d'Allah. À voir son visage, subhanahu wa ta'ala. À gagner ta satisfaction, subhanahu wa ta'ala. Tous ces actes que tu fais, n'oublie pas cette récompense énorme qui est le paradis éternel, qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est de voir son visage subhanahu wa ta'ala, et de faire partie de ceux qu'Allah ta'ala a agréé, de faire partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire qu'il est satisfait d'eux aujourd'hui. Il va leur dire, je suis satisfait de vous aujourd'hui, je ne me fâcherai plus jamais contre vous. T'imagines, tu entends cette parole? C'est ça que l'être humain il doit avoir devant ses yeux et devant lui. C'est que cette vie-là, c'est un temps limité pour se préparer pour une vie éternelle. Son temps, il est limité. Il doit passer d'un acte à un autre. Quand il finit un acte, il se lève pour un deuxième. Et pour tout, en tout cela, il doit aspirer à Allah subhanahu wa ta'ala et à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et à aspirer à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours penser à cette récompense énorme qui nous attend. Regardez les gens, comment ils sont motivés pour des choses futiles de ce bas monde. Combien les gens sont prêts à faire des sacrifices énormes pour des broutilles. Ils font de ces sacrifices. Il y en a, comme ils disent, ils vendent leur âme, ils vendent leur religion, ils vendent leur paradis, ils sont prêts. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se réveille le matin croyant et se couche le soir mécréant. Ou le soir, est-ce que je croyais le matin, il se réveille mécréant? Pourquoi? Il vend sa religion pour un bien éphémère de ce bas monde, qui ne vaut pas la valeur d'une aile de moustique. Yom al-Qiyamah, la personne, il va dire, j'ai vécu dans ce bas monde. Allez, une matinée. Combien de temps t'es resté, on va dire? Une matinée. Peut-être une après-midi. T'es prêt, Ya Abdallah, à vendre l'éternité contre une matinée, une après-midi. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب وارضاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.